Il y en a qui le savent, il y en a qui le savent pas, mais je suis russe. Alors non, je ne danse pas la polka, je n'escalade pas les grues en Russie, mon animal de compagnie n'est pas un ours, et je ne bois pas de vodka au petit déjeuner. Faut arrêter les clichés quand même. Donc, comme je vous l'avais dit, je suis russe. Donc, je suis née à Kotlas, en Russie. Bonne chance pour trouver cette ville. Hein. Et du coup, ça fait 6 ans que je suis en France. Alors, il y en a plein, enfin, il y en a même beaucoup qui me demandent « Tu peux dire une phrase en russe ?»« 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 Tu peux dire une phrase en russe ?» Mais t'es un cheval ! D'accord. Restons dans les questions. Il y en a plein aussi, ils me disent « Eh mais en Russie, il fait moins 40, hein, c'est ça. Tu dois te les cahier là-bas. Tu dois emporter au moins 4 des vestes. Et en Russie, il fait moins 40 pendant toute l'année, c'est ça, ouais. Eh, je suis sûr que toi, t'es habitué au froid. Hein. » Et puis, c'est-à-dire qu'en Russie, on a vraiment 4 saisons. Hein. Certes, il fait moins 40 des fois l'hiver. Mais bon, nous, on a vraiment 4 saisons. C'est-à-dire qu'en décembre, bah, il neige. Après, voilà, quoi, en été, bah, il fait beau, quoi. Il fait 30, il fait 20. Oui. Il fait 30, il fait 20. Oui, c'est possible en Russie. Il peut faire 30 et il peut faire 20. Alors qu'en France, hein, on se met d'accord. En décembre, il pleut et en février, il neige. Où est la logique ? Dora l'exploratrice, il nous faut à tout prix trouver la logique. Et puis bon, je vous avoue aussi que quand je dis que je suis russe, bah, c'est pas le même effet que si j'étais d'une autre origine, quoi. Et vous, vous êtes de quelle origine ? Bah moi, je suis italien, tu vois. Italien ? Bah moi, je suis japonais, quoi. Japonais ? Bah moi, je suis américain, tu vois. Américain ? Bah, moi je suis russe. Ah, d'accord. Bref, reprenons. Bon, après, bien sûr, la Russie ça reste quand même un très beau pays. Puis nous, les Russes, tu vois, on est très sympas. Même si parfois on est un peu fous, quoi. Et puis voilà les gens, cette vidéo est terminée. Vous pouvez mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo et me dire en commentaire si vous aimez ce type de vidéo. Je pourrais peut-être, voilà, je pourrais en recommencer si vous aimez. Et surtout de vous abonner, ça ferait extrêmement plaisir. Moi je vous dis à la prochaine. Bye bye. Putain, on aurait dit que j'ai jeté un sort dans Harry Potter, quoi. Expelliarmus. Qu'est-ce que tu as à faire? Je suis le Harry Potter russe, ouais.